Et je dis, avec appui ça, première série d'appui ça, et appui quoi le vini, nous avons encore mieux équipé pour nous reprendre le pays, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Acte de solidarité extraordinaire. Juste l'autre bord en Afrique de l'Est, Kenya attendait souffrance peuple haïtien et on vit en solidarité avec la police noire. Donc, nous devons là aujourd'hui pour constater, messieurs, là, c'est le premier contingent. Ils paraissent solides pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Nous, oui, messieurs, là, ils ont décidé de déterminer. Nous remercions encore le Kenya, le président kenyan qui prend engagement personnellement. Pour supporter nous, peuple kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. Ce n'est pas remarquable, évidemment. Tout. Et docteur Juma lui-même qui fait voyage là, saute juste l'autre bord, un voyage excessivement long pour venir là avec nous, pour le constater. Donc moi-même, je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, je demande des populations haïtiennes pour être confiant. Nous travaillons avec les partenaires, nous avons un engagement de tous les partenaires, nous avons plusieurs pays qui font partie de. Contingent qui vient supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations ont continué avec une patience. Nous que le raid vigilant. Nous n'avons pas avancé. Parce qu'il y a très agent nous-mêmes, nous avons force de police. Nous sommes déjà en discussion avec DG la police là, pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous aient tout ça au besoin pour être capables de faire opération. Nous avons gardé tout, nous avons mis tout le bagage sur la table pour nous comment nous assurer nous. Que les policiers ont une capacité, environnement, support et appui au besoin pour être capables de faire le travail. Nous devons comprendre ça, nous devons être clair. Hein? La police nationale, nous, avec l'armée d'Haïti, a travaillé. C'est comme ça que nous sécurisons l'aéroport, c'est comme ça que nous sécurisons l'autre site, c'est comme ça que nous sommes sur la défensive, nous ne pouvons jamais suspendre le travail. Et vous voulez reconnaître l'effort de M. Police qui a perdu la vie parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a assez vrai, nous avons des policiers. Plus capacité, 455 nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée. On a continué à préparer tête nous. Et je dis, avec appui ça, première série d'appui ça, et appui quoi le vini, on a encore mieux équipé pour nous reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville.
là aujourd'hui pour nous constater, messieurs là, c'est le premier contingent. Ils ont paré, ils sont solides pour accompagner et supporter la stratégie haïtienne pour nous reprendre la sécurité, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Nous, monsieur, là, ils ont décidé de déterminer. Nous remercions encore le Kenya, le président kenyan qui prend engagement personnellement pour supporter nous, peuple kenyan qui campait derrière nous, qui campait avec nous. Ce sont des remarquables, évidemment, tout. Et le docteur Juma lui-même qui fait voyage là, saute juste l'autre bois, plus de 12 000, un voyage excessivement long pour venir là avec nous, pour le constater. Donc moi-même, je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, après des populations haïtiennes pour être vigilants, pour être confiants, nous travaillons avec partenaires nous, nous avons engagement tous les partenaires nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingents qui viennent supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations continuent avec notre patience. Nous voulons que le reste vigilant n'a pas avancé. Nous devons nous constater nous-mêmes que l'appareil en marche n'a pas avancé. Nous avons reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Soit fait chiffre là, je vais demander pour des questions de sécurité évidentes. Je suis tellement intéressé pour nous dire combien de monde nous avons. Pour des raisons de sécurité. Même qu'a dit nous que le très significatif et même qu'a dit nous que nous déjà prenons disposition pour que régulièrement chiffre la remonter jusqu'à ce que nous gagnions capacité pour nous gagner pour nous supporter la police. En ce qui a trait à gens nous même n'a traité force de police nous sommes déjà en discussion avec DG la police là pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous gagnent tout ça au besoin pour être capable de faire opération. Nous avons gardé tout, pour nous remettre tout le bagage sous table pour nous nous assurer nous que les policiers nous ont capacité, environnement, support et appui aux besoins pour être capables de faire travail. Comme nous opérations pas de jam suspend, la police nationale travaille 24 heures sur 24. Et pas plus tard que hier, je suppose qu'on a un écho que nous travaillons. Donc, nous devons nous comprendre ça, nous devons être clair. Hein? Police nationale, nous, avec l'armée d'Haïti, à travail. C'est comme ça que nous sécurisons l'aéroport, c'est comme ça que nous sécurisons l'autre site, c'est comme ça que nous n'avons pas arrêté nous kembe bandits sous la défensive, nous ne pouvons jamais suspendre le travail. Et nous voulons reconnaître l'effort de M. Police nous, qui a perdu la vie parce qu'il a essayé de protéger et défendre le peuple haïtien. Ça peut arriver qu'on y a, c'est vrai, nous avons des policiers plus capacité, ou t'es là où nous avons 455 et nouveaux policiers qui pourraient jouer une force spécialisée, nous avons continué à préparer tête nous. Et je dis, avec appui ça, première série d'appui ça, et appui pour le venir, nous avons encore mieux équipé pour nous reprendre le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville.